Mesdames, Messieurs, cette question du partenariat entre l'Afrique et l'Europe est particulièrement en question en ce qui concerne le Burundi. Depuis le démarrage de la crise actuelle, l'Union européenne a considéré que les valeurs fondamentales sur lesquelles se base ce partenariat n'ont pas été respectées, ce qui a amené finalement la décision de mesures appropriées selon l'article 96 de l'accord de Cotonou prise le 14 mars de cette année. Mais en même temps, c'est ce partenariat qui a permis de définir les moyens et voies pour permettre une reprise d'une pleine coopération en fixant les engagements nécessaires pour y arriver. Toutes ces questions nous ont mobilisés en tant que partenaires privilégiés du Burundi et elles ont constitué le cœur de nos relations politiques dans ce cadre et dans le cadre, entre autres, d'une intensification du dialogue politique. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas de sanctions ou d'agenda caché. Il ne s'agit ni de complot, ni de volonté de pénaliser un pays, mais il s'agit simplement, en respect des valeurs défendues par l'Europe, de prendre en compte les principes qui sous-tendent notre partenariat et accompagner le pays vers une sortie de la crise. L'Union européenne est présente dans ce pays depuis longtemps et s'est investie avec pour seuls objectifs de promouvoir son développement, de l'aider à lutter contre la pauvreté et favoriser la stabilité de la sous-région. C'est pourquoi notre coopération n'est pas totalement suspendue et maintient des programmes directs aux populations. Ainsi, deux programmes d'importance viennent d'être approuvés au niveau européen pour les secteurs de la santé pour un montant de 40 millions d'euros et pour celui du développement rural pour un montant de 15 millions d'euros. Mais permettez-moi ici de mettre en évidence certains éléments particuliers. D'abord et avant tout, la stabilité du pays basée sur l'accord d'Arusha, dont les principes ont parfois été mis à mal ou remis en cause, mais qui reste dans un processus de consolidation encore fragile, le socle essentiel de la stabilité. Le remettre en cause aujourd'hui, c'est remettre en cause les acquis de 10 années de stabilité et de consolidation.